Attention, attention. Il nous a montré aujourd'hui qu'il faudra compter sur lui également sur la route et il remporte là avec le Tour de Corse Amateur, le Tour de France et puis la Classica Corsica. Oui, on salue les coureurs qui franchissent à l'instant la ligne d'arrivée. Voilà, la saison est longue, hein, ces coureurs-là, ils seront en forme un petit peu plus tard. C'est vrai que vous les gâtez, vos amis de Bastia et vos amis corses. Et salut à toutes et à tous, monsieur le député, monsieur le président du conseil général, monsieur le président de l'Assemblée de Corse, chers amis, mesdames et messieurs, bonjour. C'est vous qui nous gâtez. On a eu de la chance avec le temps, on était un peu inquiets. Nous sommes heureux de recevoir ces coureurs, cette organisation. Je salue, tenga saluda un notre amigo, Domenico Boggi, qui dit l'anima di sta Corse. A felicitati o dume e a ringraziati Igor. Merci à toutes et à tous de votre présence. Merci à Doumé, qui est toujours très ému après une telle réussite. On le voit sur un Tour de Corse, certes amateur. Aujourd'hui, c'est une belle course. C'est un sacré pari hein, que vous avez tenté avec les bénévoles corse, organiser cette course prestigieuse, la Classica Corsica. Oui, bien sûr. C'est pas l'émotion, c'est un peu la fatigue, parce que quand même, mine de rien, il y a 1500 personnes à gérer, la sécurité, police, gendarmerie, des villes traversées. Voilà, c'est des mois de travail pour arriver à ce résultat-là. Donc moi, bon, je crois que tous les maires ont dit l'essentiel, mais je voudrais remercier tout le monde, l'association Corsica Tour, qui a fait un travail merveilleux, les bénévoles de chez nous. Comme quoi, vous voyez, en Corse, avec une association, loi 1901, on arrive à faire des choses extraordinaires, à Yente, Indeno. Donc voilà, pour notre jeunesse, aller de l'avant. Et avec un peu de courage et de volonté, on arrive à faire beaucoup de choses et à montrer au monde entier notre savoir-faire. C'est ça le message. Voilà. Donc moi, je voudrais remercier la mairie d'Ajaccio qui a fait un travail extraordinaire. La collectivité territoriale, bien sûr. La mairie de Bastia qui a fait beaucoup de travaux sur l'arrivée, qui a refait une partie de la place Saint-Nicolas pour permettre une arrivée, qui a fait sauter 3 dos d'âne. Pour l'arrivée finale, il y a eu un investissement, il y a eu vraiment une entente cordiale avec tout le monde, la police, la gendarmerie, les coureurs qui sont venus du monde entier pour une première. Je vous rappelle quand même qu'on a le deuxième du Tour de France, le troisième du Tour de France pour la première année. C'est quand même assez exceptionnel. Voilà, je voudrais remercier tout le monde et puis si Dieu veut, à l'année prochaine, viringrazia toutes.